Mais je ne comprends pas en fait. Pourquoi tu as arrêté pour Mali? J'ai pas dû voir ta crème. Quelle crème? Ça sent pas bon. Non, mes bras étaient blancs. Mais ça sent pas mal, bon, mais tu as frotté. On dirait que c'est crème de visage. Non? C'est crème de visage. J'ai mis sur mes bras. Mais toi, en fait, tu ne dis pas les choses avant d'utiliser. Alors, comment c'est une vidéo? Non. Tu ne dis pas les choses avant d'utiliser. Ça fait plusieurs fois que je me fais ça. Parce que la dernière fois, là, j'avais payé mon gel de visage. Tu as pu te laver. Oui. Mais apparemment, tu as gardé la même habitude. Tu ne dis pas les choses. Tu mets ça sur toi comme ça. On peut prendre gel de visage pour faire gel douche. Gel de visage. Il faut indiquer les trucs qui sont sur tes mots. Non. Faut indiquer que non, ça c'est gel de visage, ça c'est ton. Là, on ne touche pas. Ils ont écrit dessus. Mais ça ressemblait à gel douche. Même ça, ça ressemblait à pommade. Mais c'est qu'ils ont écrit dessus, la tâche n'a pas lu. Il n'y a pas fait attention. C'est bien. Oh, pas possible là. Nash. D'accord, elle va commencer. Non, mais j'ai une question. Non, c'est pas pour te faire fort. C'est pas pour te faire fort. J'ai une question. Oui. Depuis que tu t'es méché là, tu as fait shampoing. Bien sûr. Tu as fait ça quand? J'ai fait ça avant-hier. Avant-hier? Oui, mon frère, moi je suis pas comme toi. Moi je prends soin. Non! Façon tu prends. Non, attends, faut pas me faire ça. Oh, c'est bon, gars. Façon tu prends, c'est qu'il faut pas prendre pour mettre sur toi. Il y a pas mon shampoing à autre chose là. Ah, tu es capable de prendre pâte dont il faut que tu fasses shampoing. Toi, tu peux prendre pâte pour faire shampoing. Pour mettre le visage, tu prends pour mettre sur toi. Non, j'ai une dame qui a fait mon shampoing. Où ça? À côté de la Mandalia. C'est qui ça? La tontille qui. Oh, ok, là, là, elle a fait ton shampoing. À combien? Oui. Elle va payer. Ok. Moi, je te dis, c'est déjà mon shampoing. Elle va payer. Donc, tu as allé t'asseoir dans le salon de coiffure de la dame. Elle a bien fait même. Après, elle a séché tout ça. Cadeau. Non, mais elle est généreuse, elle est gentille. Elle a fait ton shampoing cadeau. Comment elle va faire généreuse? C'est la famille. C'est la famille que tu la connais trop. Hein. C'est bien pour toi. Donc tu as allé faire tout mèche. Comment? Tu as allé faire tout mèche. Tu n'as pas l'argent pour faire shampoing. Ya! Attends, elle m'a offert le shampoing de refuser. On peut offrir shampoing? Oui. Je voulais donner l'argent. Elle dit non, on va payer. Il dit, je ne savais pas que shampoing. La tontine est gentille. Non, je ne savais pas que shampoing c'était comme ça. On donne ça comme ça. Ça commence mal. Ça commence à faire mal. Générique. Coucou les soirées, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, je viens vous parler d'un truc super important. Non, absolument, mais écoutez. Les soirées, vous là, souvent je suis là comme ça. Et puis, je veux avoir mon appartement à Abidjan. Oui. Parce que souvent, tu veux faire tes chivoteries. Souvent, tu veux faire tes bails. Tu veux... Vous connaissez, non? En ce temps, la maison est remplie. C'est compliqué. J'ai cherché un peu. Avoir maison à Abidjan est dur. Avoir maison en Afrique, c'est devenu plus compliqué même que avoir maison à Paris. Eh! Non. J'ai signé, j'ai déposé, j'ai dit c'est bon, je veux plus. Et je suis tombé sur un site. Donc, je viens m'aider et je viens vous aider. Pour tous ceux qui cherchent des appartements, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo ou au Sénégal, je viens vous parler d'un site qui s'appelle ImoRoute. Route, genre les racines de l'immobilier, l'Afrique dont les racines. Les racines, ImoRoute. Voici comment le site se présente. Si tu cherches un appartement, va sur le site. Tu mets combien tu peux payer par mois. Attendez, je vous montre. Voici comment le site est. On demande d'abord quel est votre projet. Ton projet, c'est quoi? Tu veux dormir vers où? Le pays, tu choisis ton pays. La Côte d'Ivoire. Pour l'instant, ImoRoute est présent dans 4 pays. Mais ils vont aller un peu partout. Pour l'instant, c'est 4 pays d'abord. La Côte d'Ivoire, la ville, Abidjan. Je parle de moi. J'ai mis Abidjan. Parce que je ne vais pas aller habiter à Djafou ou à Djawi. Je ne peux pas, je suis une star. Abidjan, type de propriété. Appartement, je suis une star. Les stars, ça vit dans des appartes. Même Dalida, père à son âme, vivait dans un appartement à Montmartre. Location, si tu veux louer, tu mets location. Budget, tu mets combien tu peux payer? 200 000. C'est vrai que je suis une star. Mais je ne peux pas payer maison chère à Paris, je vais payer maison chère à Abidjan. 200 000. 200 000 là même, c'est déjà beaucoup. On te demande le nombre de pièces que tu veux. 2 pièces. Nombre de chambres. Une chambre minimum, ça me va.
tu fais rechercher, ça va sortir. Tous les appartements qui rentrent dans les critères que tu as mis vont sortir. Tu choisis et tu contactes le propriétaire. Tu peux le contacter via WhatsApp. Maintenant, si tu as mis tes critères et puis on te dit aucun appartement trouvé, faut pas te décourager. Tu actives l'alerte. Il y a une alerte là, voici ça. Tu viens ici, tu actives l'alerte. Et en fait, dès qu'il y aura un appartement qui coïncide avec ce que tu veux, tu auras une alerte. Ton téléphone va faire. Tu actives l'alerte. C'est pas que pour les gens qui veulent louer. Même vous, les propriétaires, là, au lieu d'aller donner votre argent aux démarcheurs pour vous trouver des clients, et puis, vous avez vu votre argent, le démarcheur a vu votre argent, mais vous ne voyez pas les clients. Il n'y a personne qui vient louer votre maison. Les propriétaires, allez-y aussi sur ImmoRoute. Inscrivez-vous. Mettez la photo de vos appartements. Nous, là, on va venir louer. Voilà. Le lien est en description. Le lien de ImmoRoute est en description. N'hésitez pas. L'Afrique moderne, l'Afrique vaillante, l'Afrique esthétique. Tu vas sur Internet et tu trouves un appartement. Hora, ImmoRoute. C'est de ça qu'il s'agit. Au lieu de vous promener sous le soleil pour aller chercher maison comme si vous partez cultiver tomates là. Ça, c'était depuis le temps d'Aïdjou. On ne fait plus ça. ImmoRoute, c'est ça. Ouh, j'allais oublier. En fait, si comme moi, vous êtes des gens, vous avez la flemme. Si vous avez la flemme d'aller sur l'application pour chercher l'appartement qui vous correspond, vous pouvez écrire directement à ImmoRoute sur leurs différentes plateformes. Ils vont vous répondre de façon instantanée. Vous leur expliquez ce que vous cherchez comme bien, combien de chambres, votre budget. Et puis eux, les gens qui travaillent chez ImmoRoute, là, ils vont se charger de rechercher l'appartement pour vous et d'activer une alerte. Comme ça, dès qu'il y a un appartement qui correspond à vos attentes, vous avez la notification. Donc, si vous-même, vous n'avez pas envie d'aller sur le site, écrivez aux gens de ImmoRoute. Le lien est en description. Leur Facebook et leur Instagram. Vous cliquez, vous vous abonnez et vous leur envoyez des messages. Ou bien, vous partez sur le site directement. Donc, vous avez le choix. Soit le site, soit le service traiteur qui va traiter vos demandes. ImmoRoute, son service traiteur. Soit le site, soit le traiteur. N'hésitez pas. Voilà donc, n'hésitez pas. ImmoRoute, n'hésitez pas. Voici ça, j'ai mis en description le lien de leurs différents réseaux. Si vous voulez les contacter directement au lieu, à défaut d'aller sur le site. Mais allez-y aussi sur le site. Soit vous partez sur le site, soit vous les contactez directement via leurs réseaux sociaux. Ils répondent de façon spontanée et très très vite. Voilà. On va maintenant commencer la vidéo. Je vous avais demandé sur Instagram de nous expliquer vos problèmes de cœur. Parce que nous là, quant à moi, je suis un blessé de guerre sentimentale. Jusqu'à actuellement. Pardon? Jusqu'à actuellement. Mais c'est un choix. Jusqu'à actuellement. Moi, je peux te dire quelque chose. Mmh, je ne vais pas te faire foirer. Mmh. Je préfère ma situation que pour toi. Actuellement. Je préfère ma situation amoureuse que ta part. Ah, fou, allez là, c'est un peu gâté. Mais ah, c'est pas mieux. Faut te taire. Je vais faire mon jamaya. Je vais pas me coller à quelqu'un. Et puis on va pas me faire mon. Si tu restes comme ça là, tu n'as jamais te collé à quelqu'un. C'est sans le souci. Jamaya là. Oui. J'ai 26 ans, j'ai le temps de trouver. Tu as resté dans le temps jusqu'à. Tu vas être monoposé. Le temps m'a réparé. Tu vas être monoposé plus. Je reste avec le temps parce que le temps m'a réparé. C'est ça je dis là, tu vas être monoposé. Le vent a bien tourné. Je vais adopter. D'accord, après. Il y a beaucoup d'orphelins. Je vais les adopter. C'est vrai, c'est. Oui. C'est un bon choix. Mmh. Par contre, tu as adopté tout mèche. Okay. C'est comme ça que je vais adopter. Donc, t'as vu, tu deviens ennui maintenant. Pourquoi? Pourquoi? Comment ça? Bon, premier truc. On va sélectionner parce que. Mais fallait faire ça avant. Moi, je sommeille. Fallait faire ça avant pour sélectionner. Moi, maintenant, j'ai envie de faire travailler. Tu es pressé d'aller porter bonnet, les filles la mettre sur leurs cheveux pour dormir. Là. Ça cause de ça, je sais pas. Quand on parle des filles. Moi, je ne mets pas bonnet sur mes cheveux. Non, mais c'est pas cheveux seulement. Moi, j'esticule pas aussi. Hein. Gesticuler, c'est quoi? Ah, allons-y. Gesticuler, là, c'est quoi? Allons-y. Tu veux dire qu'il fait comment? Tu veux dire qu'il fait comment? Excusez-moi, fais du doigt avec lui, là, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Bon, il n'y a pas mes drogues, tu dis tout mèche. Après, tu te dis pressé de partir faire. De partir mettre chapeau des filles pour dormir. Cookie! Tu te dis, tu es pressé de gesticuler. Oui, okay. Excuse-moi. Avant que tu ne te laves, quand tu es rentré tout à l'heure là, tu avais mis quoi sur ta tête? J'ai mis chapeau pour me laver, c'est qui est normal. Oui, c'est un moment qui met ça.
C'est maman qui. Maman met ça sur ses bras. Ah donc, donc quand tu mets chapeau sur ta tête, tu es une fille automatiquement. Ah donc quand tu te penches, tu gesticules aussi. C'est que toi tu t'appelles Raissa. Ok. Mais toi tu t'appelles Andrea. Non, pas Andrea, c'est faux. Première question. Je suis en couple avec un jeune, mais j'ai l'impression qu'il me rabaisse. Il t'a raté. Pourquoi tu fais ça? Mais elle dit qu'elle avait quelqu'un, mais il a l'impression qu'elle la rabaisse. Toi, tu peux pas faire asseoir ton gars qui te binda, qui te gnasse. Peut-être elle lui dit, mais aujourd'hui. Elle aime. Sinon, elle avait quelqu'un. Ou bien. Aïe. Si il te rabaisse, faut le rabaisser deux fois. Vous aimez bien vous jouer non, les petits. Faut le quitter. Quand elle fait des rabaisses, c'est toi qui bosse, rabaisse. Toi, quand tu es en couple, au final. Excuse-moi. Quand tu es en couple, tu élèves la personne. Oui. C'est un abus. C'est un début du couple. Bon, des buts. Quand toi tu étais, dit un début. Début, c'est parti. Début, un but. Début. B-U-T. Oui. But. Dis comment. Des buts. Des buts. J'ai envie de dire l'été là. Oui, oui, oui. En veillé. Parce que voilà, son participe passé, c'est but. Donc quand tu dis but, ça prête à confusion. Il veut faire politique. Ça prête pas à confusion. Je suis désolé. Pour analyser dans le contexte. Dans quel contexte? Ah, j'ai dit c'est l'un des buts. Mais si tu dis le tort là, ça fait quoi? Mais si elle dit pas, ça fait quoi? Donc, tu as le temps d'aller t'asseoir pour faire mèche, mais tu n'as pas le temps de prononcer le T de but. Ah! Ton raisonnement est penché comme tes trucs. Tu mens, il t'a fait fort, tu mens. T'as pas fait fort. C'est l'un des buts, on dit. Tu mens, il t'a fait fort, tu mens. Ouais, non, Amzi. Faut pas t'arrêter. Non, il faut rien te chiffrer. Tu es le mot qui chique. C'est bon, c'est l'un des buts. C'est pas fini. Ah. Mais quand toi, j'ai donné un truc, j'ai rabaisé la besoin. Non. Il rabaissait pas. Il rabaissait si. Pas. Non, en somme. Non, il rabaissait pas. Aïe. T'es pas tendance à crier tout le temps. Non, mais crier, c'est pas rabaisser. Non, toi, tu cries. Et puis, non, quand je crie, la personne répondait. Ah, c'est vrai, c'est bon. Aïe. Toi, tu nous emmerdes dans ton affaire. Bon. C'est opposé. Je suis avec une fille, mais ses parents sont un obstacle. Oui, faut répondre. Quoi, ça va, je suis avec une. Ça me... Non, je n'ai pas dit ça te concerne. J'ai dit faut répondre. Je suis avec une fille, mais ses parents sont un obstacle. Moi donc, si tu veux vivre ton amour avec la fille, si vous voulez vraiment vivre votre amour, ses parents ne sont pas un obstacle. Plus tard, vous allez grandir, si tu as ton argent, il a son argent. Vous êtes indépendant, vous mettez ensemble, vous mariez. Maintenant, si ses parents ne veulent pas, moi en tout cas, faire de mariage ou bénédiction des parents, c'est vrai, c'est important. Mais mes parents ne peuvent pas entraver ma vie, quoi. Donc, si maman, attends, je viens pour qui? Moi, j'ai dit depuis que tu as fait Druid là, tu es devenu quelqu'un d'autre. J'ai parlé, non. Cookie, Cookie, tu es pété. Mais dis-moi ce que je me dis. Pose-moi la question. Moi, tu n'as même pourquoi 19 ans. Pose-moi la question. Tu es toujours sous couvert. Donc, tu es en train de dire que si demain, maman dit que faut pas marier telle femme. Bon, maman, on va pas dire ça parce qu'elle n'est pas compliquée. Mais supposons que ça arrivait, tu allais te marier quand même derrière elle. Non, mais si moi, en connaissant maman, si elle me dit ça, c'est parce qu'elle sait quelque chose de néfaste sur la fille. Elle n'a pas fait ça. Donc les autres parents. Il y a des parents qui sont très bizarres. Hein. Toi, tu sais. Ils sont très bizarres. Comment arrêter. Les parents qui sont trop bizarres. Aïe. Donc toi, si tu es en couple avec quelqu'un, et puis la personne, vous êtes vraiment très bien ensemble. Mais ses parents disent que non. Parce que tu n'es pas musulman, par exemple. Bon, moi, quant à moi, je m'en fous de ses parents. Mais moi, mes parents, c'est ça qui est important pour moi. Vraiment, les parents des autres, c'est pas mon problème. Mais, on peut aller se marier si ses parents sont pas là. Je m'en fous. Mais moi, pour moi, là, ça doit être là. C'est faux. Comment ça, c'est faux? C'est faux. Comment ça, c'est faux? Tu dis quoi, même? C'est quand je te mets quelqu'un. C'est parce qu'il y a caméra. Il y a plusieurs exemples. C'est pas lui, il est dans quelle situation exactement? Ses parents sont un obstacle. Imagine-moi, je prends un exemple tout bête. Regarde, tu te mets avec quelqu'un. Et puis toi, pas maman, papa ou Benzi. Mon papa. Cette personne-là, il faut la laisser. Parce qu'elle n'est pas chrétienne. Tu vois un peu. Tu as fait quoi? Tu as laissé la personne. Bon, mon papa même va pas à l'église. Non, il te dit ça. Il prend les étoiles. Parce que mon papa dit que. On prend les étoiles. Non. Mon papa dit qu'on meurt, on devient des étoiles. Voilà. Donc mon papa même peut jamais me dire ça, mais je comprends ce que voilà, tu dis. Voilà, dans le cas où. Tu as fait quoi? C'est quoi ta réaction première? Je vais faire. Tu vas laisser la personne? Non. Hein? Je vais faire l'amour.
Je ne peux pas laisser la personne. Ah, c'était ça. Non, moi mes parents seront pas obstacles. Ils vont faire comment, ils vont passer vers où? Ça dépend de la situation. Peut-être aussi tu n'es pas bon, on sait pas. Ok. Attends, je vais plus mes cheveux. Je suis en couple avec un mec de 50 ans et il parle avec une femme mariée qui a deux enfants. Mais c'est que c'est sa femme. Ma chérie, parle avec une femme mariée. Elle est en couple avec un mec de 50 ans. Non, elle a pas baissé calmement, l'histoire est bizarre. Elle est en couple avec un tonton qui a 50 ans et puis il flirte avec une femme mariée qui a deux enfants. Si elle dit femme mariée, peut-être la femme là, son mari, c'est pas le tonton de 50 ans. Ou bien. Tu dis quoi même? Faut relire. J'ai demandé. Non, ils ont fait avec quoi? Faut relire. Voilà, c'est chez moi. Non, depuis, c'est aussi ta tête là. Je suis en couple. Je suis en couple avec quoi? Avec quelqu'un qui a 50 ans. Mais le quelqu'un là, il parle par message avec une femme mariée qui a deux enfants. On n'a pas dit ça comment? Une femme mariée. On dit une femme. Il parle avec une femme mariée. La femme est mariée à qui? Peut-être la femme est mariée à lui. Voilà. Mais non, donc moi aussi je suppose la femme peut-être mariée à une autre personne aussi. Ou bien. Bon, faut donner ton avis parce que c'est pas tout là, je comprends pas. Tu comprends pas. Faut donner ton avis d'abord, on va commencer à crier. Moi je pense que ma chérie, c'est sa femme avec qui il parle. Parce que tu peux pas être en couple. Parce que ta photo, je vois ici là. C'est vrai que c'est anonyme. Mais ta photo, je vois ici là. Tu es une jeune fille. Tu peux pas être avec quelqu'un qui a 50 ans. Et puis il parle avec une femme mariée qui a deux enfants. Si c'était quelqu'un qui a 50 ans qui se met avec une jeune fille comme toi, qui aime les fraîchinis, pourquoi il est avec une fraîchinis? Je suis sûr qu'il il laisse ça. Tais-toi. Pourquoi il est avec une fraîchinis? Il laisse ça pour aller draguer une femme mariée qui a deux enfants, qui peut-être a 40 ans. Pourquoi? Ça n'a aucun sens. Tu m'as dit de m'éteindre quoi? Parce que ce que tu dis a no sens. Donc faut que pourquoi no sens? Aïe. Ça peut se faire, c'est jamais. C'est ta femme. Faut laisser le monsieur. C'est papa des gens. C'est quoi ça là? C'est que c'est papa des gens. Qui? La femme là, la petite fille, elle sait que c'est papa des gens. Mais il y a le pire. La quel pire? Non. Imagine. Je suis désolé, tu peux pas réduire toutes les femmes à de l'argent. C'est quoi que je veux faire? Non. Il y a des filles qui sont avec des hommes pour l'amour. Mais depuis quand il y a ça? Non, mais pourquoi je dis qu'il y a le pire? Tu veux me lever au bout de vrai? Non. Tu veux me lever au bout? Tu peux pas dire que mon abonné est une arriviste. Quand tu fais ça alors? Tu peux pas dire que c'est une arriviste. On n'a qu'à partir, c'est beau. C'est avilissant pour la femme, ce que tu es en train de dire. Toi qui veux faire la politique. Dans les citoyens ivoiriens, il y a des femmes. Les femmes sont même majoritaires aujourd'hui. Tu sais que tes abonnés sont très premier degré, non? Mais c'est vrai. Comment veux-tu que dans des années, des femmes te votent si tu les réduis à de l'argent? Tu dis quoi? Moi, j'ai parlé. Tu vas là. Moi. Pourquoi? Moi, ça finit. Comment ça? Moi, ça va. Mon cher. Vignoco. Que quoi? Je suis bisexuel. Mais j'habite avec mon copain. Ah, le truc là. Attends. Je suis bisexuel. Mais j'habite avec mon copain. Mais je veux des enfants. Que penses-tu? Attends. Tu es bisexuel. C'est une femme. Ah, c'est un garçon. Il est bisexuel. Mais il vit avec son camarade garçon. Maintenant, il veut des enfants. Qu'est-ce qu'il doit faire? Moi, je sais pas où. Il n'a qu'à adopter ou bien. Non, comme il est bisexuel. Non, il est bisexuel. Ah, il est bisexuel. C'est son copain qui n'est pas... Mais oui, lui, son copain est totalement gay, c'est ça. Son copain est sexuel, là, il n'est pas bi. Lui, il est sexuel, il est bi. Mais comme toi, tu fais ici, tu fais là-bas, faut aller faire pour faire ton enfant, ou bien? Non, mais au plus, c'est que ça doit être avec l'accord de son copain. Faut parler de ça d'abord à ton copain. Si tu veux enceinter une femme et puis elle accepte, elle fait ton enfant. Mais qui a dit même que lui et puis son copain vont finir ensemble? Faut aller faire tes enfants. Regarde comment tu réfléchis. Hein? Mais c'est vrai. Qui a dit pas seulement parce que tu es brisé intérieurement que tu vas réduire tout le monde ensemble. Tu parles de quoi? Il parle de quoi? Brisé intérieurement comment? Il parle de quoi? Tu es bête. Quelqu'un veut faire ça. Certainement. Tu dis qu'est-ce qui prouve qu'ils vont finir ensemble? C'est pas parce que tu as eu la même situation. Quelle même situation? Non, pas ça là. Où tu as. Où ton cœur. Mais tout le monde a rompu dans la vie. Voilà. Mais faut pas dire qu'est-ce qui prouve qu'ils vont finir ensemble. Laisse-le vivre son amour et son copain. Mais bien, bon, s'il n'y avait pas de soucis. Donc quand tu te mets, attends, ça sert à quoi de se mettre avec quelqu'un et puis envisager la rupture? Mais tu ne t'aimes même pas, tu vas ton jabaya. Mais ils sont en couple, ils vivent ensemble. Parle avec ton copain. Hein? Vous allez vous voir, si vous devez adopter, vous adoptez. Si vous devez faire une sémination, vous faites votre sémination. Si tu dois enceinter une de tes petites qui accepte, tu l'enceintes et puis tranquille. Tu fais ton enfant, c'est fini. Okay.
Qu'est-ce qui prouve qu'ils vont rester ensemble? C'est quoi cette manière de penser là? Fadalde, merci beaucoup. Raïssa. Fadalde. Raïssa. Sinon, je suis en train de dire que. Tu dis. Du moment où. Quand tu as parlé, tu pas convaincu. Vas-y. Du moment où il est venu expliquer, jusqu'à il pose question pour dire que faire, c'est parce que ça pose souci dans son couple. Sinon, il allait aller faire un fond là sans venir nous demander ici que faire. T'as dit ça pose souci. Donc, pourquoi il dit que faire? Eh, demande. Il veut avoir comment approcher, comment appréhender son. Surtout comment son gars va appréhender. Mais lui-même, il y a son gars, il ne connaît pas son gars. C'est nous, on lui dit comment il doit appréhender. Il a dit son Dr. Gars. Love, moi, ça qu'il a. Il a dit quoi? Dr. Love. Bon, toi, c'est quand le cabinet est fermé pour toi. Parce que toi-même, quelqu'un avec qui tu vis, si toi-même, tu ne sais pas que. Il vient te demander. C'est que ton copain ne veut pas d'enfant. Oui, il y a des gens, ils aiment que les chats. Il y a des gens qui. Il y a des gens là, ils aiment que les chats. Tu as fouillé ton copain, il peut avoir 10 chats. Il va appeler les chats là Albert, Philippe. Maintenant, enfant qui fait une guerre là, il veut pas. Il veut rentrer, puis les chats là vont sauter sur lui. Et puis il va dire, oh mais bébé, c'est qualité de ton copain. Regarde, si tu veux te projeter dans la vie avec des enfants et une descendance, faut laisser lui là. Faut pas faire ça, faut arrêter, tu sais même pas. Et tu sais même pas, c'est quoi le problème exact? Si son copain veut voir, s'il veut pas, dire c'est vrai. Mais si, pourquoi? Si son copain voulait, pourquoi il allait venir nous dire que. Ah, il avait nous posé question. Allô? Faut le laisser. Vous êtes ensemble même là, depuis vous êtes ensemble dans la salle, quoi? Attends, comment vous faites pour mettre vos problèmes dans le milieu de lui là? Aïe, ça donne quoi? Ah, vous embêtez. Prochaine question. Et si, n'y en a. Arrêtez. Quoi? Yeah! J'arrête pas de me. Je peux pas prononcer ça, lisez, de me M. J'en ai marre. Que faire? Ça a quoi à voir avec truc, Dr. Love? On dit Dr. Love, pourquoi il parle de ça? C'est son amour qui est là. Ça fait, ah, c'est son amour. C'est son amour. Vraiment? Non, mais. Bon, un psychologue. On met la vidéo sur YouTube, peut-être. Un psychologue, comment? Ah, pour traiter ça. Là, je dirais l'accro. Toi, tu penses que psychologue là, Abidjan ici, c'est 60 000. Qui t'a dit là? La séance. C'est pire même, s'il est ailleurs. Moi, j'avais pris psychologue. À cause de quoi? Quand j'ai rompu là, j'avais pris psychologue, une heure, 100 euros. Et puis, il dit que. Tout ça là, j'ai toujours raconté, une heure, 100 euros. Et puis, il dit que, on n'a qu'à retourner dans mon enfance. Depuis, j'avais 3 ans. Il y a déjà dans les films là. À quel moment on va quitter dans 3 ans pour arriver dans mes 24 ans que j'avais là? J'allais payer combien? Et puis, c'est bon. Moi seul, je vais souffrir. Non! Toi, tu proposes quoi? Quoi ça? Sur le show de lui là. Faut continuer! Pourquoi n'a pas continué? Mais ça lui plaît! Mais attends, tu n'as pas de go. De go comment? Mais de gars, parce que. Hein, de gros gens! Est-ce qu'il n'a pas de go quoi? Une petite. Il y a des gens qui sont en couple. Tu as fouillé la go. Mais puis, il y a des gens comme ça! Non, ça me comprend pas, non, c'est pas possible. Tu veux pas avoir go et puis tu es à quoi ça? Qu'est-ce que tu en sais? Faut rester là. Bon, moi, je sais pas où. Ah non, tu sais. On va non! Quand on traite un problème, il faut se mettre à la place de la personne. Sinon, moi-même, c'est pas mon dada. C'est pas mon dada. Ça dit quoi? C'est pas mon dada. Donc-toi, attends. Donc-toi toujours que Dieu se. Attends. Donc-toi. Chaque matin. Non. Non, non, non. Soir. Non. Et puis, dis, j'arrête pas. Fait que dans la journée, là. Il est là comme ça. C'est-à-dire qu'il quitte à l'école, non. Il rentre dans sa chambre, il rentre comme ça. Avant de dormir, il rentre. Non, ce qu'on va faire là, tu vois devant les mosquées là, devant les mosquées ou devant les églises, il y a des enfants qui sont là. C'est ce que les doulas, les musulmans appellent saraka. Sacrifice. Saraka. Saraka là, ça va chez. Faut faire saraka. Tu pries dessus, tu dis ce que tu veux que ça quitte dans ta vie. Mais s'il a dit, s'il a posé le problème, c'est qu'il va arrêter. C'est parce que ça le fatigue qu'il est venu nous dire. Sinon, il allait rester dans son coin. Ça le voit. Pour continuer. Faut faire saraka. Pourquoi faut faire saraka? Et pardon. Non. Faut pas faire saraka. Faut faire saraka. Faut arrêter ça là. Il n'a qu'à faire saraka. Toi, tu as l'énergie comme ça. Et puis, toi, ça, c'est de l'énergie. Compétition d'athlétisme, ça c'est énergie. C'est énergie. Non. Tu as vu aussi, tu ne travailles pas. C'est ça. Tout ça le fait. Parce que quand tu quittes ton travail, tu es fatigué. Tu n'as pas à tu n'as même pas de pulsion. Tu ne travailles pas. Faut faire, même si c'est un petit stage,
faut faire. Donc, quand tu es trop à la maison net, tu tombes sur un truc. En même temps. En même temps. En même temps. Non! Non, non, non! Faut faire ce que j'ai dit là. Abuse! Faut faire ça, la calme. C'est quoi ça là? Ou bien parce que je vais te faire doucement. Toi, tu es malade? Toi, tu es quel genre de personne? Oh! Tu vas fouiller, il n'est même pas âgé. C'est quoi ça là? Ta discothèque te fatigue pas? Faut avoir tout. Tu sais pas que ça là, c'est sensible. Tu sais pas que c'est sensible. Et puis, il dit que faire? Faut couper. Coupe. Faut couper, tu vas jeter. Que faire? Sympa. J'ai failli même griller avec toi, pourtant tu me fais. Mais pourquoi tu t'es énervé sur lui? Non, 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 non. Prochaine question. J'ai appris par la soeur de mon ex qu'il est allé se marier au Mali alors qu'on était ensemble. Il t'a loupé. Si oui, c'est au Mali. Parce qu'ils ont mauvais d'air. Non, 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 je suis désolé, Kouki. Quoi? Si c'est au Mali qu'il a trouvé l'amour. Il va laisser marier. Mais il a toujours elle. Non, tu sais, il y en a là. Ils n'ont pas. Je ne dis pas que ce qu'il a fait c'est bien, mais il y en a là. Ils n'ont pas la patience de rompre. Ils sont bons d'eux-mêmes. Tu vas constater. Tu dis un coup, c'est fini. Donc tu vas constater que je suis. Mais ça, la haine de sa tête là, elle était toujours elle, lui. Donc il y avait toujours l'amour. Donc imagine, tu es amoureux de quelqu'un. Et puis j'avoue que la personne s'est mariée derrière ton dos. En plus d'un autre pays. Changement de territoire pour se marier. C'est la vie. Au Mali, actuellement, au Mali, Côte d'Ivoire, là, c'est pas trop chaud. C'est pas trop ça. Yako. Et puis c'est sa soeur qui t'a dit, elle est mauvaise. Elle aurait pu garder ça pour elle. Mais si c'est un moment qu'on elle a dit. Oui, parce que notre maman là. Comme ça. Notre maman dit. Elle dit beaucoup de choses même. Elle dit, je veux pas tromper Tago de vrai. Sinon elle dit à Tago. Elle appelle Tago pour dire, lui là, il sort avec une fille. Bon, écoute, ton Yako, pourtant elle n'est pas chic. Pourquoi c'est pour moi les gens qui font comme ça? Ma copine a couché avec sa camarade. À votre avis, je dois faire quoi? Sa copine est lesbienne. Son père a couché avec sa camarade. Genre, lui, les garçons, non. Sa copine allait coucher avec lui, sa camarade. Lui sa... Non, avec sa camarade, elle sa camarade. Sa camarade. Mais ça, elle s'est plus la voix pour ça. Oui, mais si c'est mon oui, c'est ton péril ou bien? Je sais pas. Moi, je sais pas. Vu que quoi? Je sais pas. Non, c'est ton péril. C'est trop péril. Que ce soit avec femme ou garçon, c'est trop péril. Et puis les filles, même, elles aiment les trucs, les bêtises, quoi. Même les filles. Ouais. Oui. Mais aïe. Il y a plusieurs histoires comme ça. Mais il y a des gars qui aiment ça. Quoi? Y'a quelqu'un qui aime ça? Qui t'a dit ça? Y'a quelqu'un qui aime ça? Ah putain, ici, deux temps, on apprend toujours. Tu sais qu'il y a des gars là. Il y a des gars là. S'il entend que sa copine l'a trompé avec femme, il va dire appelle la fille, on va faire à trois. Oui, mais si c'est garçon, il va faire le petit d'anévrisme. Non, ça dépend. Ça, c'est écrit, tu vois. Mais tu dis que je dois faire quoi? Vraiment, moi, je sais pas. Mais c'est trop périlleux. Si tu veux la boire, tu la bois. Mais c'est trop péri. Ah, c'est trop péri. Bon, moi, je sais pas, je vais te dire quoi. Parce que, affaire où on te trompe avec femme là, moi, je connais pas. C'est compliqué. Donc, voilà, moi, je connais pas ça. Donc, je sais pas. Je sais pas. Que toi, ça te trompe avec femme, c'est que je n'ai pas trop. Je n'ai pas trop ça. Non, oui. Ça se trouve, c'est une perverse. Toi, tu connais les filles là. Ah, y a ça aussi. Mais est-ce que toi-même, tu fais pas partie des gens qui font ça? Mais ça, mais tu as dit ça. Si tu passes ton temps à faire ça, à quel moment? Tu vas faire. À quel moment elle va venir et puis ça va faire ses ciels? T'es déjà fatigué. Elle va aller chez sa camarade femme. Non, vraiment. Il y a tout ça. Au prochain. Tonton, vraiment, j'ai dit Dr. Love. Quelqu'un dit que. Tonton, j'aime bien votre style vestimentaire et faire pareillement aussi. Je vous kiffe grave. Fais pareillement. C'est ton Dr. Love qui est là. Tu aimes mon style vestimentaire et pas. C'est ton Dr. Love. Il a dit aimé, non. Il y a aimé dedans. C'est bien pour toi. J'ai giflé le frère à ma copine car il se mêlait trop de nos affaires et elle veut plus de moi. Un conseil. Le frère à ta copine. C'est Jean, non. Le gars de Noura te gifle. Parce que toi, tu te mêles trop de leurs affaires ou bien il me gifle parce que je me mêle trop de leurs affaires. Courage, ça va pas venir dans un. Toi, tu as pris quel courage pour gifler le frère de ta quand même. Parce que toi, ta gueule. Pourquoi? Toi, tu l'as envoyé à la mairie juste quand vous êtes allé à l'église. Ah, même si je suis marié. Non, je sais, même, je sais que même s'ils se sont mariés, c'est pas une raison. Mais ça vous dit même que quelqu'un même, peut-être son papa ne te connaît pas. Toi, tu gifles son frère parce qu'il te mêle de vos affaires. Toi, tu as des affaires. Toi, tu as des. Les gens qui ont des affaires ne prennent pas leur temps pour m'expliquer. Leur vie, c'est Instagram. Minami. Toi, tu as affaires. Tu as des affaires au port de pêche. Ou bien,
au barrage Kosso et Tabou. Il faut te calmer sur lui. Mais lui, il est qui? Et puis, lui, juste son. C'est comme si le gars de nous avait juste. C'est pas bon, c'est bon, faut te calmer. Pourquoi? Faut te calmer. Okay. Et puis, c'est un homme violent. Tu as fouillé, il frappe sa femme. Mais peut-être que c'est la juive, le frère. C'est que Nabo, même, il a pas fait comme ping-pong. Les garçons, ils sont trop dégoûtés. Vous aimez bien ça? Tu as fouillé le frère de ta copine. Mais le frère aussi, tu l'as giflé et puis il n'a rien dit. Où mais il est truc, de l'autre côté. L'autre côté, c'est où? Mais aussi, non, l'autre côté, la fois, nous dit c'est où? Ils n'ont pas trop force. L'autre côté, là, c'est vers où? C'est sur quelle carte? C'est sur la carte de la Côte d'Ivoire, c'est vers où, imbécile? L'autre côté. L'autre côté. L'autre côté. Toi, tu allais faire cheveux de World War King, là. Ça, c'est pas l'autre côté. Ah, tu ne vas pas. Ça là c'est moi, moi ici. Ah, tu caches l'autre côté, tu t'es invité. Pourquoi? Comment ça? Pourquoi? Ça c'est moi, moi ici, mélangé. Ça c'est pas de souci. Ça c'est pas Pillepo. Donc nous donnons de l'autre côté. Va là-bas, qui est de l'autre côté? Tu es de l'autre côté. Vous êtes malade, vous giflez les gens. Quand vous savez que les gens n'ont plus un peu de force, là, vous les giflez. Toi, le frère de la copine en question, le frère de la copine qu'on a giflé, j'espère bien pour toi que tu t'es battu. J'espère bien. Mais tu as aussi là, dit qu'il a giflé, c'est que la personne n'a pas réagi. Tu n'as rien dit, mais je suis battu avec mes frères. Moi, tu as me gifler, puis être laissé. Non, attends, c'est qu'à 15 ans. Tu peux pas. Tu as me regarder comme moi-même pour me gifler. Toi, tu as me gifler. Même si c'est pas parce que toi. Il va te quoi? Il va me gifler. Pourquoi? Il va me tuer. Oh, toi aussi. Faut pas m'aider pour comme ça. Faut lire. Ok. Je suis perdu entre un gars que j'aime mais qui m'ignore et un gars qui m'aime mais je l'aime pas. Et je voulais un moment de violer ta. Non, non, pardon, on fait pas. Pour toi, elle est très nulle. Oui. Je suis perdu entre un gars qui m'aime mais qui m'ignore dans Disney ou et un gars que j'aime mais que j'aime pas. Mais petit frère, j'ai plus que c'est une petite fille. Faut aller écrire ça dans trop ennui. Faut aller écrire ça dans ton journal intime. Coucou Kevin, j'apprécie un garçon sauf que je suis sorti avec son frère. Tu peux. C'est une fille qui a écrit. C'est une fille. Mmh. Oui, oui, tu sais, les filles m'écrivent beaucoup. Hein. Les filles, mais quand on dit que je suis sorti avec un garçon là, c'est les filles. Est-ce que j'ai dit non? Non, parce que tu fais comme si. Non, mais c'est les filles. Faut considérer aussi notre communauté. Tu vois, non? Je n'ai pas dit non. Tu mais toi, automatiquement, dès que quelqu'un. Non, dès que quelqu'un vient me dire que je suis sorti avec un garçon, tu penses en même temps que. C'est l'autre côté. Je sais pas. C'est une fille. Elle est sortie avec le frère du garçon qu'elle aime. Elle est fan d'un gars, mais sauf qu'elle est déjà sortie avec son frère. Non, ça ne s'appelle pas. Pourquoi? Mais puis j'ai jamais accepté ça. Pourquoi? Genre une go, je vais sortir avec une go en sachant qu'elle a déjà sorti avec un de mes frères. Même mon ami il veut pas. Mais tu as combien de frères? Il c'est ton seul frère. Pourquoi tu dis pas avec toi? Oui, genre avec toi. Ah! Non, faut pas me couper. Tu es en train de dire que. Moi, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas sortir avec une fille, oui. Sachant qu'elle est sortie avec un de mes frères. Pourtant, tu sais que je suis ton seul frère. Oui. Tu n'as pas d'autres frères. Oui. Pourquoi tu ne me dis pas directement, tais-toi. Pourquoi? Pourquoi tu ne me dis pas directement, je ne peux pas sortir avec une fille, sachant qu'elle est déjà sortie avec toi. Moi, je ne peux pas. Non, mais c'est comme toi, ça ne peut pas marcher. Comment ça ne peut pas marcher? Non, comme tu sais que tu n'es pas trop sérieux façon. Je suis pas sérieux pour elle les filles. Et ta dernière relation avec la fille, la petite fille, je vois comment elle s'est terminée. C'est pas tout. Hey, Jésus-Christ. Mais Seigneur, tu es en haut, nous on en bas. Tu es en haut. Mais regarde la situation, mais c'est toi. Tu peux pas. Non, je n'ai pas dit que je peux. Hey, c'est comment tu as fait là. Mais ça qui t'a pas vu. Comme si tu avais beaucoup de frères. Ton seul frère là, il est ici. C'est bien pour toi. Ma chérie. Non, faut pas faire. Non, ça, c'est trop bizarre. C'est sale. Quand il t'a dit que c'est sale là, c'est sale. C'est sale. Il y a beaucoup de garçons. Il y a garçon coco taillé. Il y a garçon qui s'assoit. En fait, mon goût laissé sur sa tête. C'est lox. C'est lox. C'est lox. C'est lox. C'est qu'est-ce qu'il y a ça là? Il y a garçon comme ça aussi. Il y a. Il y a tout ça là. Il y a une panoplie. C'est le frère. C'est le frère de. L'ex, toi tu veux. Toi, je suis malade ou bien. Et puis elle vient. Elle est malade. Regarde mon sel là. Tu as fouillé les vilaines. Mais toi, tu es méchant comme ça. Toi, je peux détruire une famille. Regarde mon sel, va ton guerre. Au lit, je dis. Ça ne peut pas. Et puis les deux me peuvent faire parler s'ils apprennent. C'est trop bizarre. Faut laisser ton site. Il y a une qui dit que je tombe vite amoureuse. Félicitations. Violetta. Surprise. Jessie.
Comment tu fais pour oublier un ex avec qui tu pensais te marier et qui sort aujourd'hui avec ton ami? Tu oublies. Tu oublies. Tu peux vite oublier. Parce que c'est toi-même. Mais après, est-ce que c'est toujours ton ami? Parce que tu peux pas accepter le fait. En tout cas, moi, je ne peux pas accepter le fait que mon ex sorte avec mon ami actuel. Même s'il sait. Hein? S'il sait. On dit que. Non, non. Que tu crois en l'âme sœur ou pas? Faut arrêter. J'ai une question. Tu crois en l'âme sœur ou pas? Âme sœur, comme j'ai, on est née, côte, c'est ma côte. C'est ça. On est née, nous deux, pour être ensemble. Non, je crois pas ça. Sinon, si tu croyais en ça, j'allais te dire que peut-être c'est son âme sœur. Non, c'est pas son âme. Et il a fallu que la personne passe par toi pour rencontrer la fille. Et la personne passe où? Non, il a fallu que ton ami là te connaisse pour rencontrer son âme sœur qui est ton ex. C'est que non, non, s'il veut se mettre ensemble, il n'y a pas de souci. Mais moi, il m'éloigne des deux. Mon ami, tu veux pas sortir mon ex, c'est pas possible. Mais si il s'aime. Non, tu es égoïste. Je suis pas égoïste, c'est pas possible. Moi, il peut jamais. Tu es égoïste. C'est pas possible. Non, non, tu es égoïste. Tu vois, je sais pas comment mettre, mais je veux pas accepter. Comment ça? Comment ça? Moi-même là. Non, c'est pas la même chose. C'était ami de mes camarades. Oui, tu vois. Non, non, c'est pas pareil. Oui, ça, je sais. Mais c'est pas pareil. Non, ça c'est pas possible. C'est loué. C'est trop loué. C'est vrai, je vais m'éloigner des deux. Ils n'ont qu'à s'aimer entre eux, entre leur famille. Mais non, moi, arrêtez de dire on est famille là. Non, moi ça me plaît. Ton moment de Ayo, c'était pas chic. Tu mens. Ayo là, tous mes abonnés ont adopté. C'était jamais chic. Ayo. Et puis, quand tu veux pas rire, quand on veut pas rire, tu cries. Pourquoi vous riez pas? Tu n'as pas le sens de lui. Pourquoi vous riez pas? Il y a un message que je vais lire parce que je connais la personne qui écrit. Bon. Je me permets. Mais pourquoi c'est écrit comme ça? C'est pas sur Instagram. C'est sur Insta, mais en privé. Ah ouais, vas-y. En DM. Mm-hmm. Bon, je me permets de t'écrire en privé parce que je n'ai pas assez d'espace. 4 ans de relation à distance. Je l'ai laissé parce que moralement, ça me saoulait. Maintenant, il est là, donc en France, parce que le gars est en Côte d'Ivoire. C'est une fille. Et j'arrive pas à m'empêcher de penser à ce que ma vie aurait pu être si j'étais toujours avec lui. J'étais avec lui en début d'année, sexuellement, il ne me disait plus rien, les sentiments ne sont plus comme avant, je le ressentais dans ma tête, mais maintenant qu'il est là, je ne peux pas m'empêcher de penser à lui. Ma chérie, cours vers lui. Faut toquer à sa porte si tu as son adresse et tu dis regarde, je te veux. Ou bien non, tu toques à sa porte. Bon, s'il est hébergé, faut pas toquer à sa porte parce que c'est pas forcément lui qui va ouvrir. Mais s'il habite tout seul, tu toques, dès qu'il l'ouvre, tu l'embrasses. Tu fais comme dans les films. Bon, moi j'ai essayé ça, ça n'a pas marché, mais pour toi, peut prendre. Oui, mais moi je vais essayer ça. Je suis parti, on m'a fait fond. Que je suis avec quelqu'un, c'est pas le moment. Qui tu sais? Pour fermer la porte comme ça, beau. Attends, mais moi je comprends pas quelque chose. Regarde, tu es avec quelqu'un. Hein? On peut se tromper. Là, oui, non, on peut pas se tromper. On peut se tromper. Tu peux penser que tu n'aimes plus quelqu'un, pourtant tu l'aimes. Cookie, regarde. Mais non, calme-toi et continue. Toi, tu as fait les amourettes de lycée. Nous, on a vécu l'amour profond. T'as vécu quel amour profond? Hey! T'as vécu quel amour profond? C'était pété. Bon, pas faux. En ce qui concerne amour profond, là, il n'y a pas encore vécu ça. Tu vois, non, j'ai un amour profond où on vit ensemble dans la même maison. Non, non, pas j'ai fait ça. Mais je veux dire que tu ne peux pas être avec quelqu'un, tu aimes la personne, et puis un coup. La personne ne te dit plus rien sexuellement, même côté sentiment, tu ne ressens plus rien pour la personne. Et puis du jour au lendemain, bon, pas du jour au lendemain parce qu'elle dit ça fait 4 ans. La personne mais 4 ans de relation à distance, donc tu ne se voyais pas. Elle ne se voyait pas. Elle était, je sais c'est qui. Elle était en France, il était à Abidjan. Ah. Souvent même, elle me parlait de lui. Mm-hmm. Tu vois, non. Finalement, il est venu en France. Mm-hmm. C'était un vrai projet qu'il vienne et tout. Mm-hmm. Mais qu'elle est venue la tchèque. Tu vois, non. Au début, c'était pas ça, mais maintenant qu'il est là, là, elle veut maintenant revenir. Ma chérie, tu peux vite l'attraper. Il connaît pas la France. Oh. Tu le prends, vous tournez un peu à Châtelet. Vous tournez à Châtelet, vous elle partez. Elle envoie le gars, il peut veut revenir. Non. Elle veut se rallier. Mais lui, il est qui et puis on ne le voit pas elle pour revenir. Elle veut se rallier, c'est mort. Parce que au moment où elle envoie, je suis sûr que lui, il était fondé. Genre, c'était toujours les mêmes sentiments. Le degré était toujours. Qu'est-ce que tu en sais? Et puis du jour. Peut-être qu'il voulait juste aller en France. Non, du jour au lendemain pour les papiers, quoi. Elle est française, hein. Elle a le passeport rouge Bordeaux. Le passeport de la République. C'est que tu cherches là. Quand il a été chifflé. Non, va prendre ta chose. Faut la gueule. Non, il va pas te gueule, va prendre ta chose. Tu le méprises. Tu le mérites pas. Parce que lui, il est qui? Il est pour celui-là. Il est qui? C'est ça que tu mets. Non, elle est là quoi? Il a des sentiments. Un peu quoi? Elle a décidé d'arrêter. On peut s'égarer dans ses sentiments. Après, c'est égaré. Elle s'égare, c'était un égarement.
Boussole est cassée, c'est fini, tu n'as plus le retrouver. D'ailleurs, je vais te mets. Façon, tu es belle. Faut laisser lui là. Prends-toi. Tu l'as vu. Un gars qui travaille, un gars qui vient d'arriver. Tu l'as déjà vu. Qui? Genre elle. Le gars de la fille. Non. Mais pourquoi je lui dis façon, elle est belle? Mais elle est belle, je t'aime. Mais lui aussi, il est beau. Ah. C'est vrai que. Mais solidarité féminine, solidarité masculine. Solidarité féminine, là, c'est qui est qui? Solidarité féminine, là, c'est qui? Ah. Oui! Y'a pas dit dans tes quelqu'un. Je. Ok, je suis. Ma chérie, la féminine que je suis te dit que. Laisse-lui là. Prends-toi un gars. Un vrai gars. Qui a déjà le dos, qui a le poing. Et qui a laissé belle, qui a le papier. Il n'a qu'à la laisser pour prendre une go qui est carrée dans sa tête, qui sait ce qu'elle veut. C'est bien pour toi. Alors c'est son fou de ouais, donc, lui. Parce que lui-même il est qui? Lui son fou d'aigle. Elle est belle. Il est beau. Tu le connais pas, moi je il la est connais. Très très beau. C'est ça l'aigle. C'est pas Jean-Yves. Y'a comment tu me manques au Jean-Yves. Un coup s'appelle vraiment Jean-Yves. Faut arrêter. En plus c'est vrai. Non il s'appelle pas Jean-Yves. Oui il s'appelle pas Jean-Yves. Mais Jean ça fait bon à... bref moi en tout cas j'ai donné mon avis. Faut le laisser. Ou bien si tu veux tu lui donnes une dernière chance. Tu te vas le voir. Attends, comment elle va lui donner une dernière chance? C'est lui qui doit donner une dernière chance, mais c'est elle. Toi, tu es fou ou bien? Comment ça? Comment ça? Pourquoi? Pourquoi pas? Qu'est-ce que c'est? Faut lui donner. Non, elle te va le voir. Elle se livre à lui. Je t'aime encore. S'il fait Jean, il se donne un Jean. Quand tu le lèves, il doit se donner un Jean même. Il est qui? Quand elle dit je t'aime encore là, il fait ah bon? Tu vois, non? Elle est le nouveau Chocobi de France, ah bon? Et en tant que tu viens d'arriver, Chocobi là, oui, c'est pas trop ça, mais n'a qu'à faire. La rose a pu s'appliquer. Il y a une qui dit que, coucou Kevin, je suis en couple avec un jeune homme et franchement, il a tout pour lui. Il est beau, riche, ambitieux, mais son papa ne cesse de me draguer, ça m'embête. Toi, tu es une menteuse. Toi, tu es belle comment? Et puis, toi, tu es avec un jeune qui est beau, qui est riche, qui est ambitieux. Ça veut dire que son papa est deux fois riche et son papa te drague encore. Tu mens! Vous aimez bien vous donner un genre. Quand je vous dis. Quand je vous dis, expliquez-moi les choses. Mais... Vous venez faire genre, vos vidéos sont pour nous. Elle ment. Attends. Elle est belle pour nous. Ça peut arriver. Elle ment. Ça peut arriver. Y a juste dit son prénom. Elle s'appelle Noura. Toutes les Noura moto. Ma petite, elle s'appelle Noura. Elle ment. C'est une go Djoula, hein. Ok. Il y a deuxième prénom. Il y a une photo de profil là. La go est Djoul comme ça. Attends, Djoula. Non, mais non. Y'a comme elle est hier. J'avais dit que non, dis-moi. Ton il est beau, non, riche, dis-moi. Ambitieux. En plus de ça, son papa te veut. C'est pas possible. Pourquoi? Y'a la robe là. Y'a la robe là. Ça, ce sont les robes tagafées des psychogites. Ça, c'est sénégalais m'a empoisonné. Y'a les robes là. Sénégalais m'a empoisonné. C'est trop tagafé. J'avais dit qu'il est beau, riche. Tu nous prends pour qui? Tu nous prends pour qui? Est ambitieux, c'est que son papa est deux fois ambitieux. Déjà ambitieux, c'est robe comme ça, tu vas porter pour les filles. On te veut pas, tu mens, on parle plus de toi. Et s'il est riche, même cette robe là, je crois que tu vas pas la porter. Et puis, elle écrit roman. Pourquoi faire ça? Riche, ambitieux, comme dans les romans. Pourquoi faire ça? Comme dans Adoras, il y avait un roman. Tu vas venir faire son lexical de petit docteur Love là. Menteuse, bogomissus. D'ailleurs, même c'est bon, c'est la fin. Non, c'est bon. Ça c'est bon. On fait plus. C'est fini. Merci la chérie de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Il est beau, riche, ambitieux. Mon mythomane, on peut pas faire ça. Et puis, elle a un loup, non, en plus. Faut prendre tes mèches, tu vas aller te coucher.